Il est environ 19h30 lorsque le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, est accueilli par le collectif des consuls généraux et honoraires de la ville de Pointe-Noire. Une cérémonie organisée à son honneur pour avoir été reconduit sur son siège de commandement. C'est le directeur départemental du ministère des Affaires étrangères de Pointe-Noire qui a lancé les hostilités, souhaitant la bienvenue aux hôtes, introduisant ainsi le représentant du collectif des consuls de Pointe-Noire qui a donné le sens de cette rencontre. L'ensemble des consuls généraux et consuls honoraires souhaitent vous remercier pour avoir accepté cette invitation de ce soir et pour vous féliciter pour votre reconduction à la tête du département de Pointe-Noire suite à la décision de Monsieur le Président de la République du Congo. Cette charge importante dont vous vous occupez avec force de conviction, cela fait exactement 21 ans cette année que vous l'occupez. Je crois, Monsieur le Préfet et cher ami, que tout l'amour et le professionnalisme que vous portez pour administrer ce département de Pointe-Noire risque de durer pendant de nombreuses années encore. Je remercie l'ensemble de mes collègues de m'avoir délégué l'honneur de m'exprimer devant vous ce soir. Merci et bonne soirée, Monsieur le Préfet. Prenons la parole, le préfet de Pointe-Noire a remercié non seulement ses hôtes, mais également le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la confiance portée à son égard. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la présente cérémonie organisée en mon honneur pour avoir été reconduit dans mes fonctions de préfet par Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à qui j'exprime ma profonde gratitude pour m'avoir renouvelé sa confiance, grâce à laquelle je totalise aujourd'hui 22 ans d'exercice de fonction préfectorale. Aussi, je me dois également d'adresser mes sincères remerciements au corps consulaire en général et particulièrement à tous les consuls généraux et honoraires qui ont pris cette heureuse initiative d'organiser pour ma modeste personne cette célébration qui sera gravée d'une pierre blanche. Cet acte, combien louable et plein de symboles, s'inscrit non seulement dans le cadre de la considération et de l'intérêt ou de l'attention particulière que vous avez accordée à ma personne, mais aussi et surtout dans le cadre du raffermissement des relations entre vos pays respectifs et le Congo, notre pays. Un nouveau mandat, des nouveaux défis. Le préfet Alexandre Honoré Paca s'engage de pied ferme à remplir ses missions et surtout à maintenir ce climat de paix qui règne depuis toujours dans son département. Il s'y est de noter qu'il occupe ce fauteuil depuis 1997.